j'étais collectionneur de DVD, donc j'ai fait le plein. Ça fait une balade, il fait beau en plus, donc on en profite. Ah bah c'est génial, et puis ça nous permet de nous rencontrer tous, on n'a pas l'occasion souvent, et c'est convivial, et puis on rencontre aussi des nouvelles personnes. En même temps, les vêtements, là il y a plein de gens qui vendent des vêtements pour enfants, c'est quelque chose de renouvelable comme ça, ça évite trop de commerce, c'est dommage un peu, tout ce tissu qu'on jette. Une ville durable, c'est une ville où on a un réflexe de recyclage, une ville de pas systématiquement être dans le tout consommation et être dans l'échange, être dans le troc. Et Saint-Ouen, alors ce qu'on dit que Saint-Ouen c'est le progrès partagé, c'est Saint-Ouen une ville pérenne, c'est une ville durable, c'est une ville où ce type d'action permet de promouvoir une ville avec une connotation écolo très forte. Oui, c'est important parce que on se retrouve tout à chacun avec des objets qu'on a accumulés au fil du temps et c'est bien de pouvoir finalement participer à une espèce d'économie de citoyenne, on va dire, et qu'ici à Saint-Ouen où effectivement les gens n'ont pas, pour certains, pas beaucoup de sous, bah, c'est bien de pouvoir mettre un peu de beurre dans ses épinards, les le récupérer, tu vas dire, on va dire ça comme ça. Et puis bah ça fait aussi beaucoup de place à la maison, voilà, c'est ça qui est bien. Quoi. Voilà. Et puis développement durable, oui. Évidemment, en fait, il faudra le faire plus souvent parce que si on pouvait en faire plusieurs par an, je pense qu'il y aurait plus de troc et peut-être moins de consommation. C'est très important pour nous de participer à cette braderie, comme à tous les événements de la ville, pour justement rendre à la ville ce qu'elle nous a donné, mais aussi être les acteurs d'une ville saine, joyeuse et festive.